Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir sur Evil Genius 2. On va continuer notre campagne avec Ivan le Rouge, le camarade Ivan et son super bazooka da camarade. On est parti. Alors je voudrais vérifier juste les débuts du jeu, que vous voyez tout bien. Comme ça nous évite des mauvaises surprises parce qu'il y en a marre des mauvaises surprises. Ok, c'est nickel. Alors, je vous ai dit que je ferai une ellipse à la fin de du dernier stream. Donc, j'ai fait des trucs dans le monde juste pour reconstruire ma base et l'améliorer. Là, le but c'était en priorité donc d'avoir les générateurs à fond, avoir une bonne puissance d'énergie en réserve. J'ai fait pas mal de recherches aussi, donc j'ai fait ci et là. J'ai agrandi un petit peu certains casernements. Je suis monté à plus de. Je peux monter jusqu'à 136 sbires. J'aimerais essayer d'atteindre les 150. Comme ça serait plutôt bien. Bon, là, je m'occuperai de cette deuxième zone plus tard. Mais bon, allez, on est plutôt bien loterie niveau électricité. Et ça, c'est cool. Alors, au niveau des recherches, je vais vous montrer comment j'ai un peu tracé. J'ai fait toutes les recherches de niveau 1 déjà. Au moins, ça, c'est fait. On est tranquille. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire d'autre. Salut Momon, comment vas-tu l'ami? Et on va essayer de continuer à faire des opérations annexes. Alors, c'est comment déjà que je me plante pas? Ah, je dois exécuter un mercenaire, on va le faire tout de suite. On va continuer le visiteur indésirable avec notre ami Incendio. C'est lui, hein, de toute façon, on le reconnaît à sa tronche. Side story begun. Ouais, beaucoup de gens regardent. Je peux te demander un truc, Momon, s'il te plaît, c'est de rien me dire. J'aimerais le découvrir par moi-même pour comprendre. C'est juste ça que je demanderai à tous les viewers. Ne me détaillez pas d'Age of Empires 4. Si vous me dites juste que c'est bien, c'est tout, ça me va. C'est tout ce que je demande. Voilà. J'espère que tu seras compréhensif là-dessus. Donc, plan annexe commencé, tu m'as dit. Interrompre la campagne publicitaire dans le monde. Tâche complétée ou ça? Ah oui, c'est vrai. Alors, Ivan. Est-ce que tu peux me trouver un mercenaire et l'exécuter, s'il te plaît? Ouais, viens là, toi. Toi, tu veux dormir, feignasse. C'est parfait, mais pour le reste, environnement. Dites donc, monsieur Momon, là, vous réclamez de l'argent aux streamers, vous avez pas honte? Bon, au cas où, pour ce que je te disais, donc j'ai commencé à donc j'ai fait mon ellipse, j'ai construit un petit peu ma base, je l'ai un peu revue. J'ai fait toutes les recherches de niveau 1 que je pouvais, donc là c'était déjà fait. J'ai fait ça, j'ai juste aussi pris peut-être une recherche de niveau 2, un truc comme ça. Genre pour la capacité des sbires, une conditionneuse, qui peut être marrant ça peut être drôle. Et tous les pièges. Et j'ai entendu des super agents du Patriote. On pourrait construire des extincteurs aussi, ça pourrait être utile ça. Bon, ok. On va voir de la visite hein, de ce qu'on a vu. Donc là, normalement, tout est bon au niveau de l'affichage. J'ai tout vérifié. Alors, Ivan, où t'es? Oui, Ivan. What?
Watchman is in combat. Bon, ça se passe bien. On a repoussé tout le monde pour l'instant. Forcer l'ingénieur. Elle est où l'ingénieuse? Ça doit être elle. Oh. Bon, on va accélérer tout ça. Hein. On va retourner un petit peu sur dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? But one life to give for my country. But I won't give it today. Il va nous faire aussi améliorer, faire une deuxième station hein, de truc. Donc là, je vais réserver un petit peu de place. Donc là, le prochain objectif que j'aimerais faire, idéalement, c'est améliorer l'intelligence des ouvriers parce que bon, c'est peut-être nos sbires de base, mais on en a beaucoup. Et je pense que ce serait pas une mauvaise idée d'améliorer un petit peu leur capacité. Voilà. 3000 cash. Et bah c'est parti, on va le faire tout de suite. Plus nos sbires auront un petit, nos sbires de base auront un petit peu d'intelligence en plus, c'est pas déconnant. Formation B à bas du mal. Let's go. Et là, tous nos pièges sont HS pour le moment. Donc, on va avancer un petit peu ici. Elle bosse, c'est bien. Et là, on va tout de suite l'escorter et l'interroger. Allez. Donc là, nos ouvriers, ça on va le détruire tout de suite. Voilà, ni vu ni connu. Alors, c'est plutôt pas mal. Annuler. Donc on va, alors, on va tout confirmer. On va faire aussi... alors, ça fait un petit moment, je vais peut-être mettre un petit peu de moment à réimmerger dans le jeu. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence. Alors, on a 3 campagnes à faire. Le Havoc est opérationnel, prêt à déchaîner sa puissance destructrice sur le monde. Et maintenant que les saboteurs ont été ennemis, tout se passe exactement comme prévu. Alors, on va gagner 10 ouvriers et 5 indices. Général, général! What is it now? Radiation poisoning? Tired workers? People wanting bathroom breaks? I will not hear of it. I don't care. No, sir. Havoc. It is ready. On va voir sa réaction maintenant. At last, with this, I will do more than avenge Ifania. Soon. The whole world will be Ifania. Now let us find a suitable target and see. Je pense qu'on va s'amuser un petit peu. Hello. Général Ivan le Rouge. Camarade Sijin, camarade Ivan, pardon. Donc si Jiren ne m'attend pas, il va me traiter un jour. Alors... Là, je vais devoir ajouter 5 casiers, si j'ai bien compté. Excellent. Voilà. Là, on va monter en sbire, là, on va en avoir besoin. Bon, le terme projet de recherche est terminé, le discours ça va être vite fait, et il va falloir distraire les forces de la justice. Opération Antipis. Donc je pense que... ça va être marrant, là. Task complete.
Oh yeah. Alors que les forces de justice se rallient sous la bannière du PIS, vous avez commencé à tester votre arme du jugement dernier, le Havoc. Bon, ça va être fait aussi, hein, le Havoc niveau 1 tôt ou tard. Les extincteurs, il nous en faudrait d'autres. On va essayer de renforcer un petit peu tout ça. Alors, je vais remettre un là. Un deuxième ici. Et là, ça va être très important parce que si ici on perd nos générateurs, bon, on est dans la merde. Est-ce la merda par Anosotros? Bon, on va accélérer un peu tout ça. Alors, on va terminer notre projet de recherche, bien sûr. Alors, c'est terminé le projet de recherche. Alors. Donc, on va devoir distraire les forces de la justice, ça, on l'a bien compris. Il nous faudra donc de l'argent, ça, c'est obligatoire. Et on va essayer d'en trouver de l'argent, mais où ? Alors là, on a 15 000. Combien on a ici ? On va aller là. Là, l'idée, ça va être vite de grimper en pognon. On surveille un peu ce qui se passe du côté du ici. Donc, terminer le projet de recherche, analyse des résultats des essais. Oh putain, 82 500 $. Je sais pas si on va y arriver, mais on va tout faire pour. Donc ça veut dire aussi, normalement, on devrait pouvoir voler du carburant. On va essayer aussi faire ce projet-là. On va essayer de réduire la tension partout où on peut. Plus on fera réduire la tension dans les régions, bien sûr, mieux ce sera. Donc il faudra aussi aller en Amérique du Sud. Ça, il fallait s'y attendre. Voilà, bon là on est plutôt pas mal niveau pognon. Alors, 3 extincteurs supplémentaires. Donc on peut voir des objectifs combo, par exemple déclencher le Havoc au niveau 1 sur une région du Hammer, ça nous ferait 10 000. Je pense qu'on va comboter comme ça. Bon, on va revoir un petit peu la gestion des sbires là. 14 et 8, 22, 12 et 6, 18, 24. On va rajouter 2 mondains supplémentaires, je pense que ce sera pas de trop. Alors, je me demande ce que ça donne comme bonus, ça. J'essaie de comprendre. Alors, c'est pas au niveau de la durabilité. Alors, machination terminée, ok. On va éviter d'inviter l'agent X. Ça va nous foutre dans l'embarras sinon. Ok, une nouvelle recherche de fait, ça c'est très bien. Oui, je sais. Bon, on va éviter de détruire les forts de la justice pour le moment, on fera pas le poids. On se rapproche des 100 sbires, ça c'est très bien. Là, on va essayer d'économiser de l'argent pour bâtir une... Pourquoi pas une salle des opérations ici, tiens. En plus, c'est pas loin de l'infirmerie, donc je pense que ça peut être un bon plan.
not enough gold to complete this construction. Allez, 150 sbires, ça c'est très bien. Ensuite, on va faire des couloirs. Parce que bon, il nous faut de relier tout ça, bien sûr. Et là, on va être pas mal. Donc 151 sbires. Hein. Alors, oh, des petits enquêteurs. I need that intruder discovered and distracted. Plus de distraction d'enquêteurs. Bon, c'est pas les plus chiants, mais quand même. Eh, tu crois quoi? On a des sbires intelligents maintenant. Hein, tu vas moins faire le malin, l'enquêteur de mes deux là. Le mec, comment il parle? You're running out of gold. Je vais retirer ça. La caserne, j'en aurais plus l'utilité. Pareil pour l'infirmerie. Alors. On va éviter de faire ça pour l'instant. Alors en fait, Moment, je pense que ça augmente au fur et à mesure avec le temps. Et... Alors, le niveau de tension par rapport... je pense qu'il influe au niveau non seulement du nombre, et aussi du niveau d'agent. Du niveau de compétence de l'agent. 50 000. Allez, let's go. 50 000 au Mexique. Hein. On va dire que c'est les cartels hein, de la drogue, n'est-ce pas? On va neutraliser cette menace ici. On va retourner à la maison. Ok, c'est pas mal. Alors, comment on fait pour améliorer le Havoc? Et à mon avis, on va continuer à améliorer la base. Il nous faudra aussi plus d'hommes de main. Interrompre la campagne publicitaire dans le monde. Ça, c'est quoi ça? Donc, ok, c'est des triangles verts comme ça. Ok. Bon, ça va, niveau énergie, on est plutôt pas mal. On va voir si on a d'autres missions qui se pointent comme ça, qui peuvent être intéressantes. Bon, je pense que moi, je préfère te prévenir, ça, parce que c'est pas très captivant, hein. Là, ça va surtout de la gestion un petit peu, le temps qu'on arrive à nos objectifs. A scheme has succeeded. Machination réussite, ok. Allez, let's go pour le carburant, il va nous en falloir de toute façon pour la machine. Objectif. Exécuter un technicien, bon, ça va se faire. Ivan, où t'es? Bah viens là toi. 5000 balles pour exécuter un sbire, franchement, qui coûte quasi rien à la base, c'est ultra rentable. Optional objective complete. Hop.
Ça va donner un petit coup d'accélération à la nouvelle salle de contrôle. Ok. Bon, là, c'est pas mal. Alors, niveau 1. Non, on va attendre. On peut l'utiliser. Ok, j'ai compris. Les moments, tu le sens ce qui va arriver bientôt. On va se marrer un peu. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire. On va essayer d'attirer plus de récupérer plus de pognon possible. Par contre, on va tester sur quoi? Pas le Japon, non. Non, pas le Japon. On va se faire des toute l'Europe, tiens, rien de personnel. Hein. Ah, dommage, on n'a pas réussi. Ouais, prépare des lunettes, là tu peux le dire. Eh bah tu sais quoi, on va essayer de gagner 10 000 balles gratos là. Ivan. Mise à feu alors. Non. Ah bah oui. Bon moment, t'es prêt à voir l'éradication? Alerte générale! Alerte générale! Camarades, il est temps pour nous de montrer notre place dans ce nouveau monde. Là, on va voir. Oh. T'as vu comment ça tourne? Je vais essayer de faire sur cette partie les 300 millions, ça serait un des objectifs, ça serait cool. Et d'avoir les hommes de main que je joue, je voudrais bien en choper un deuxième pour un succès team aussi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Appelez-moi avocat. Bon, bah c'est pas mal. Alors dites-moi que les deux ont fonctionné. Oui. Ah. Où ça? Ah, c'était pas prévu ça. Allez, plus vite, éteignez-moi tout ce bordel. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ah, plus... Je suis innocent, c'est pas moi. Bon, ça va, ils sont en train de tout nettoyer. Ah. On va réparer ça, attendez.
Alors. Bon, c'est bien, les techniciens réparent tout, c'est cool. Ouais. On se met plutôt en bonne position. You're running out of gold. Maybe spend less or steal more. Et là, il faudrait qu'on arrive à avoir un réseau de criminels au niveau 2, mais là, il va nous falloir de l'argent. Hop, une machination terminée ici. On va faire aussi ça pour éviter ça là. Bon, là l'agent Super X, si on sait qu'il est là. Ok. Bon, bah c'est bien, on va y arriver petit à petit. Attends, on a perdu combien de casiers là? Ah oui, là il n'y a plus un casier, ok. Alors. Voilà. En vrai, je trouve que ça fait bien les casiers dans cette position là. Je vais voir d'autres streams aussi des Vigénieux. Il y en a, ils font des salles qui ont plusieurs. En fait, ils te prennent une salle, ils te font un espace combiné. Je trouve que c'est intelligent d'un certain point de vue. Bon, là, on va commencer à installer de la puissance d'émission. Voilà. Déjà, on va commencer comme ça. On a pas, on est bien au niveau électricité. Là, on va continuer à buffer. Hein. On n'a pas le choix. On va avoir des enquêteurs du Hammer qui vont débarquer prochainement. On va retirer ça. On va retirer ça. On va retirer cela. Ça, on va le faire. Le saboteur, on va le supprimer. Le soldat avec. J'ai retiré tout ça, vu que ça sert plus trop à grand chose. L'alerte rouge, ça se prend, c'est tout bénef. Oh, je reconnais cette icône là, attends, c'est qui ça? Olga Atomique. Bien que le coup d'état mondial soit terminé, le Hammer a décidé de se préparer à l'apparition d'un autre génie du mal. L'agence a donc mis en place un programme de formation de super soldats dont la seule survivante s'appelle Olga Anifirova, plus communément appelée Olga Atomique. Douée d'une force et d'une robustesse surhumaine, Olga était déjà une machine de guerre bien avant de participer au programme. C'était donc elle qu'on doit affronter aussi avec Ivan au corps à corps. On va le faire. Hein. Tôt ou tard, on le fera. Un piège ou ça? Qui l'a déclenché?
Où est Ellie? Voilà. Non, par contre, on va en capturer, on va essayer de récupérer des indices. Bon, ça c'est fait. Oh, il y a plein de lilas qui ont disparu, ça c'est pas cool pour les sbires. Voilà. Faut bien que Nobi évite le Japon, tu auras besoin de Mario pour préparer les tuyaux. Aïe aïe aïe, mon man, le secours. Là, on est monté à 3 points d'émission supplémentaires. Ben, on va essayer d'améliorer l'un de nos réseaux niveau 2. C'était où? Améliorons-le tout de suite. Alors, tu es les soldats de Landville, ok. Et on va juste faire l'objectif de d'alerte rouge pendant 60 secondes. Everyone, 3000, ça se récupère. Et hop, Ivan. Alors on va surveiller comment est-ce que vont sortir ces soldats. Ils sont là. Et lui, on va le capturer. Find that intruder and bring them in for questioning. Ivan va les accueillir. Time to earn my key. I'm thinking, feel the heat, red heat. Mobilizing. Va aider le boss, toi. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. On a calmé les soldats. Et là, on va tout de suite commencer à virer les trucs. Oh merde. Et il va le chercher. Oh, il y a un mercenaire qui passe pas loin. Bah, ça tombe bien. Alors, ça vient ou les sbires ou merde? New optional objective available. Le réseau est en cours d'amélioration. A criminal network has been upgraded. On exécute cette machination ici. Elle, on va tout de suite l'escorter. Laisser combiner, c'est... Alors, on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, ça va prendre plusieurs salles différentes. Donc, par exemple,
De ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait mis alors, une portion là pour les cuisines. Il va mettre une portion de la caserne juste à côté. Et il pourrait mettre une portion, bah, alors, soit de salle de repos, soit de trucs pour l'intellect, pour combiner, tu vois. Bon là, on va faire ça aussi ici. Hop, on a encore de la marge niveau électricité. Et je vais mettre deux salles d'indice. Voilà, au moins là on aura une deuxième puissance d'émission. Ouais, ouais, l'idée est très bonne. J'avoue que bon, peut-être que je reviendrai sur Evil Genius 2 un jour avec un autre personnage. S'il y a des extensions, je pense qu'on, à mon avis, moment, je pense qu'on va avoir des extensions de sbires. Mon souhait plus cher serait peut-être revoir les deux autres Evil Genius du premier opus, à voir bien sûr. Ok, on va avoir plus de générateurs. On va tout de suite parler à ça. Voilà. Et là, il faudra qu'on commence à continuer à remplacer, bien sûr. Est-ce qu'on testerait pas le AVOC au niveau 2, allez. Voilà, on a 45 d'énergie, on est plutôt large. Niveau 2. Où est-ce qu'on va le tester? Testons-nous sur les États-Unis. Alors, un soldat du Hammer a été capturé, c'est lui. Bah on va tout de suite l'escorter là. Alerte générale! Interrogation success. An agent has given us their secrets. Vite! An inferno is raging in your lair. Ah ouais. Ouh. Je comprends pas pourquoi on a des incendies. En fait, c'est quand on déclenche l'arme. Bon, on va tout de suite laisser faire. Bon, le niveau 2 c'est fait. Par contre, là, le sablier, on dirait qu'il a protégé les équipements. Au feu, au feu. A minion has caught fire. A minion has caught fire. An item has been destroyed. Oh, qu'est-ce qu'on prend cher quand même avec les tirs. The fires are being dealt with. Bon, bah... Là, ça pique, hein. The fires are almost under control. You're running out of gold. Maybe rob a bank? Alors... Ouais. Ah, ouais, je suis un peu dégoûté. J'ai cru que ça aurait protégé, tu vois. Not enough gold to complete this construction.
Voilà. Là, par contre, le pognon que ça coûte. Oh. Alors, on a réussi ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on est à combien là en tension? 65, non, on va éviter. On va la baisser. On va prendre des 15 000 ici. Comme ça, on va se mettre bien. Bon, bah, le niveau 3, on va attendre un petit peu. Par contre, j'ai remarqué, c'est l'avant de la base a été touché, mais l'arrière, il n'y a rien eu. C'est ça qui me tue du pin. Oh, il y a du people. Niveau 3, la moitié de la base est en veux, bah clairement. Voilà. Comme ça, là, toute la base sera réaménagée, tout le monde sera content. Par contre, là, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a plus de pièges. Alors, je vais faire mon salaud. Sound the alarms. An intruder is in the lair. Kill them. There's an intruder here. Voilà. Du mobilier au moins à l'hôtel, très bonne question. Ouais, ça a touché l'hôtel, regarde. Il y a une table qui a disparu. Le piano est toujours là. Il y a, il y a juste la table, bon, je vais tout de suite la remettre. Voilà. Il y a juste la table qui a disparu, le reste ça tient. Mes dégâts, tu es un enquêteur. Voilà. On récupère du pognon, c'est pas mal. On est remonté à 130 sbires. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ok, bah là on est en train de faire tous les objectifs petit à petit. On en a rajouté deux de plus au compteur. Donc on est déjà à 21 succès quand même, hein, plutôt cool. Et j'ai l'impression que chaque Evigenius a son arme de destruction massive du jeu. Ou appelé aussi arme du jugement dernier. Ici on va attendre un peu. Alors, elle fait quoi le Gatomic là-bas? An agent has been captured. Bon, elle, on va laisser sa détermination baisser. J'ai cru que c'était Ellie qui s'était remis là. Donc il a pris un peu cher notre ami Ivan, on va le faire regagner ses stats. Ouais, ça va aller, on y croit. Donc peut-être que ça, je vous ferai 4 VOD, si tout va bien. Bon, à la base, on a perdu un truc là. Non, on n'a rien perdu, ça va, j'ai eu peur. Ici, ça se passe comment? Bon, on est plutôt pas mal. Je vais peut-être rajouter un truc scientifique aussi. Comme ça, on sera bien.
On a 133 sbires. On va monter à 136 ici. Alors, 139, 142. Il a toutes ses stats, là, ça c'est très bien. Il a 300 PV, je crois. Voilà. Ça, c'est très bien. Putain, ils ont pris cher, nos pauvres mondains, là. J'ai regardé si, tiens, j'ai pas pensé à l'équipement de formation, il a été touché ou pas. Non, ça va, y a rien. Bon, la puissance électrique, on est plutôt large. Ah, putain, le hammer. Maudit hammer. Ellie, t'es où? Non, non, toi. C'est con, hein, je t'ai vu. Je vais peut-être mettre un troisième en attendant. Non, il va pas aimer. De toute façon, là, on est large niveau électricité, donc. Mais bon, ça serait pas déconnant qu'un troisième, une troisième infirmerie, ça pourrait aider à soigner nos hommes, quoi. Et je vais voir pour un autre projet de recherche aussi pour les sbires. Non, ça, c'est les hommes de main, ça n'a rien à voir. Peut-être celle-là, là, le banc de musculation. Mais qu'ils aient plus de vie, je pense que ça serait bien, quoi. J'ai remarqué, ils sont, c'est les premiers à se faire tuer avec, après les ouvriers. Alors, former des mondains, exécuter un ouvrier. Bon, ça, ça va être simple. On est sympa, on prend l'un des plus proches, comme ça on gagne du temps. Alors, où sont les autres panneaux publicitaires? Là, on en a eu un. Ok. Hop. Donc, les corps, ça viendra plus tard. Alors, il faut trouver pour Mysterio, là. Donc, il y en a un là dans le sud. Alors, ce que je vais faire en attendant. Donc, là, je vais devoir le garder celui-là. Le Gatomic surveille ça, d'accord. Est-ce que je ferai pas cette machination pour du pognon là? Allez, du pognon. Et là, je vais faire un repérage. Comme ça, au moins ça, ce sera fait.
On est remonté à 142 sbires, mais ça suffit toujours pas. On va continuer, hein. Ah, on va perdre ça. On va en mettre un. Et on va remettre des lits. Attends, j'entendais un clic de photographe là. Alors toi, on te tue, toi, on te tue. Toi, on te capture. Ouais, ils sont morts, hein. Oh, le gatomique. Vite. Elle est en train de cartonner nos minions. Ah oui, les pièges, je les avais oubliés. Soldat suprême, allez. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Eh bah punaise. Quel bazar. Elle est ultra dangereuse, mais c'est vrai qu'on avait plus de pièges, j'avais oublié ça. Et Lyon et Barracuda, on va faire rapatria aussi à la table dès que possible. Oh, putain. Le casino, il n'a pas été touché? Non, ça va. Ok. Bah tu sais quoi? On va escorter celle-là ici. On peut encore ajouter un casier, on sera à 160 lits. À 160 sbires, pardon. Faisons la deuxième tout de suite, comme ça au moins on est tranquille. Voilà pourquoi tu écoutes un clip de photo. Alors là, il nous a bien fait la photo, hein, on va, avec ces trucs. An interrogation has succeeded. There's an opportunity on the world stage. Ouais, il nous faudra un autre réseau de criminels au niveau 2. Déclencher le Havoc sur une région du Hammer. Attends, quoi? Où ça? Bon, laissons-le se tirer, tant pis. Les trois là, on va les distraire.
find and distract that intruder. Oh! There's an intruder here. Distract them for me. Eh ben, en une première VOD, vous aurez il y aurait eu pas mal 3-4 succès Steam, c'est plutôt cool. Ici, je vais rajouter quoi? C'est quoi ça? Tu sais quoi, je vais le vendre ce truc là. Je crois qu'on peut pas. Alors, on va annuler. On va tout réinitialiser. Et on va essayer d'étendre la salle ici. Alors on peut avoir un truc pour plusieurs. Non, ça c'est le sanctuaire. Ça c'est l'établissement de couverture. Non. Ça, c'est la chambre forte, la salle du perso. Les archives, on va les agrandir. Objectif optionnel terminé, ça va être les cadavres, peut-être. Ouais. Voilà. Peut-être qu'en le déplaçant comme ça. Pas. On va réfléchir. De toute façon, il faudra qu'on creuse la roche à un moment des plus durs. Je pense qu'on va essayer de faire ça aussi. Hein. Alors, je vais retourner sur les opérations mondiales. Il nous faut un réseau niveau 2 ici. Alors, quel réseau niveau 2 on n'a plus besoin? Alors. Elle, on s'en fout. Donc, on va détruire le réseau ici. Hop. Il va nous faire encore de la puissance d'émission. Là, on en a besoin aussi de celui-là. Là, on en a besoin aussi. Lui, on va le bousiller aussi. Comme ça, là, on va continuer à bâtir le réseau en Australie. On va tout de suite faire celui-ci. Il nous faudrait l'homme de main qu'on a déjà affronté, Incendio, là. Ça nous mettrait plutôt bien. Et on va aussi refaire des pièges, bien sûr. On va tenter, hein. Les fléchettes empoisonnées, on va les mettre là, à l'entrée. Ok. Faisons-le tout de suite, on sera tranquille avec les techniciens. On va tester un petit peu ce que ça donne. A mon avis, je vais pas trop faire de piège avec Ivan, comme lui c'est un bourrin. Je restais dans l'esprit du bourrin quoi, avec le bazooka. Je pense que elle, les pièges, ça peut être bien pour quelqu'un d'assez perfide comme Maximilian, Emma.
Là, on va continuer de monter. On arrive bientôt à l'heure. Alors, attends. 12 et 8, 20, 160. 14 et 8, 22. Je vais peut-être en monter 10 mercenaires. Hop, 25, 12 et 8, 20. 14 techniciens, je vais monter à 25. 25 et 20, 45. 45 et 25, ça fait 70. Voilà. Et on va s'arrêter là pour cette première VOD. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de continuer à améliorer notre base et voir un peu comment ça fonctionne tout ce bordel. Bon. Et on va voir comment on va déclencher le Havoc au niveau 3 et les autres projets. Voilà. Allez, bisous YouTube, à la prochaine. Ciao, ciao.